Il n'a pas intérêt, même s'il a un formidable registre 1500 qui lui permet parfois de monter sur 5000, il n'aura plus de pointe de vitesse s'il mène ou s'il part de très loin. Il regrette d'ailleurs, il le dit lui-même, d'avoir mené les derniers 800 mètres à Paris. Et il y a également dans cette course le vice-champion olympique de Sydney, l'Algérien Ali Saïdi Sieff. Voilà, qui se prépare en Angers et qui ensuite, après des problèmes de dopage, est revenu. Il a une chose intéressante, Ali Saïdi Sieff aussi, c'est qu'il a un record personnel sur 1500 mètres à 3,29 et que peut-être pas beaucoup en ce niveau-là, quoique nous ne connaissons absolument pas le potentiel de Bekele. En tout cas, c'est Bekele qui a pris le train, qui peut changer aussi. Et surtout, Bekele peut finir très très vite comme Hicham El Guerrouj. Et Bekele donc qui s'est porté en tête d'entrée de jeu. Alors Kinga Babakova essaye de passer 1,96 à son deuxième essai. Non, on va la laisser parce qu'elle a manqué Inga Babakova. On va revenir sur le 5000 mètres. Qui est tranquille hein, pour l'instant. Oui, avec pour l'instant donc Kenny. Oh le voilà. Jan Zelezny, il a raté son premier essai complètement. Et ça va le plus loin bien sûr, au-delà des 80, mais c'est pas le grand Yann pour l'instant. Cela dit, sur un essai, il est capable de tout faire exploser. Mais pour l'instant, pas de quatrième médaille d'or en vue, alors que c'est une demi-surprise avec pour l'instant en tête de la course l'Américain Tim Bro. Oui, mais je vais vous dire, à ses allures, puisque nous allons passer au 500 autour du 22, de 44 km, il n'y a pas de souci. Hein. Je crois que là, c'est même pas l'allure du 10 000 mètres. Je pense sincèrement qu'il peut tenir un semi-marathon à cette allure, hein, Kanisa Bekele. Donc, je vais vous dire, il n'y a pas de souci. Je crois que tout va dépendre de ce qui se passera à partir du, je dirais, allez, du 3 000 mètres. Ça, c'est certain. Le kilomètre numéro 4 aura une importance cruciale. C'est quand même bizarre que Bekele ne durcisse pas pour l'instant le rythme, de même d'ailleurs que Kipchoge qui est à côté de lui en maillot rouge, parce que ça peut faire les affaires d'Hicham ça. Hein. Non, ce sont des finisseurs aussi. Hein. Et puis, bah, Hicham aussi. Hein. Oui, mais ils ont des courses dans les jambes. Vous savez que il ne faut pas oublier une chose, Patrick, c'est que Kipchoge est le seul qui n'a pas couru une autre distance. Hein. Exact. Donc effectivement, a priori, c'est le plus frais. Mais sauf que maintenant, Kipchoge, contrairement à l'année dernière, où il était tout à fait inattendu, maintenant, il fait partie des favoris au même titre que Kennedy Sa et Kisha. Ils l'attendent. Tiens, Amy Ekeuf a manqué son premier essai à 1,96 m. La voici donc en repêchage à une hauteur qui constitue, je vous le rappelle, le record de France détenu par Maryse Evangépé. Amy Ekeuf sous les yeux de sa rivale Estrie Clotté, la sud-africaine. On se rapproche doucement des 2 mètres. Voilà, 2,58 au kilomètre, Patrick. Oulala, c'est 20 km heure parce que c'est très très lent. Autant dire, allez, on va le dire, ce kilomètre ne compte pas. Mais quand je dis qu'il ne compte pas, c'est qu'il ne compte pas. C'est l'allure d'un marathon, on est d'accord. Voilà. Marathon, c'est demain, oui, 18h, à ne pas manquer. Donc, non, 18h, non, ça sera 17h à Paris. 17h en France, le marathon demain. Voilà. Voilà, donc nous assistons à la finale olympique du 4000 mètres. Du 4000 mètres, avec pour l'instant Gebre Mariam qui vient de prendre le relais, le grand Gebre Mariam, derrière lequel s'abrite le petit Kenenisa. Et toujours le Kenyan Kipchoge avec sa grande stature également et son maillot jaune. Vous ne pouvez pas manquer Greg Botram, l'Australien. Quant à Hicham, eh bien, il est juste derrière Hicham et très intelligemment pour l'instant il est à la... Qui lui semble essayer de passer en deuxième position et pour l'instant Hicham, on ne le voit toujours pas, il est toujours parfaitement protégé, parfaitement tapis à l'intérieur du peloton. Non mais c'est son intérêt, hein. il a raison pour l'instant, et ce n'est pas à lui de mener. Et puis bon, il a un record personnel un petit peu plus lent quand même hein, que celui de Kipchoge ou de bien sûr de Kele. Kipchoge qui le champion du monde est en tête pour l'instant. Kenenisa, l'Éthiopien, champion olympique du 10 000 en deuxième position. TDC pour l'Érythrée en troisième position. Le grand Éthiopien, c'est Gebre Mariam. Et le grand Australien, c'est Motram. Oui, Ali Sieff, je ne le vois plus. Voilà. Ah, il est toujours dans la foulée d'Hicham. Hein. Voilà, Kenenisa Bekele qui passe maintenant devant, bien sûr, Kipchoge. Difficile d'élaborer un scénario, hein, Stéphane. Ça a l'air vraiment...
C'est assez surprenant parce que les Kenyans, les Éthiopiens, c'est vrai, avaient intérêt à durcir le train pour émousser un petit peu Hicham, qui, même si Kenenisa Bekele, c'est vrai, a une très bonne pointe de vitesse, la seule chance pour Hicham, c'est vrai, c'est sur un train comme ça. Donc lui doit se frotter les mains du premier tour, même si c'était un 4000 mètres lancé, il y a 1000 mètres en moins et pour lui c'est un avantage. Ouais, tout à fait. D'ailleurs Hicham est en train de montrer le bout de son nez. Il est en quatrième position maintenant, alors que Kenenisa Bernard vient de prendre personnellement les affaires. Voilà, il a compris, on parle, Stéphane a raison, à 4 mètres lancé, mais il ne faut surtout pas, il faut qu'il y ait quand même une fatigue qui soit générée entre le 2 et le 4. Ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas de fatigue générée entre le 2 et le 4, à ce moment-là, le favori, c'est Hicham El-Guerrouj. Ouais. Donc, l'intérêt maintenant, c'est de mener, non pas d'avoir mené tout un 5000 parce qu'il se serait usé, mais d'avoir quand même, je dirais, 2 km de fatigue prononcée. Là, ça a largement accéléré. Hein. On le voit à l'état du peloton qui s'est maintenant considérablement délité. Regardez les trois Éthiopiens maintenant, 2, 3 et 4. Non, c'est Hicham qui est 4. Deux Éthiopiens, il y a Kenenisa et Gebremariam, et Hicham est en quatrième position. Alors, c'est sûr que par le passé, nous étions habitués à des courses avec les Kenyans, avec un 400 mètres à fond, ça ralentissait. C'était des courses c'était des courses, je dirais, meurtrières. Mais ils ne dominent plus autant. Et les Éthiopiens n'ont pas le même registre. Les Éthiopiens, eux, ils assument un train donné, ils se relayeront peut-être, mais c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus lancinant. C'est pas du tout le même style d'épuisement qu'ils vont provoquer, c'est pas du tout la même manière d'attaque ou qu'ils vont faire. Hein. Dernière chance pour Chicherova, 1m96. Ouais, bien encore rescapé Anna Chicherova qui avait déjà été en difficulté à une barre précédente. Elles sont 6 à avoir franchi, me dit Paul Perret. 1m96 alors qu'il reste 5 tours à parcourir. 8, et qu'il y a un abandon, premier abandon, surprise là, d'Abraham Chebilly. On ne s'attendait pas, mais il est un peu fantasque Chebilly. Et là, manifestement, il n'était pas dans son assiette aujourd'hui. Étonnant. Alors, Gebremariam, c'est le seul, le champion du monde junior d'il y a 2 ans, qui reste maintenant avec Eliud Kipchoge. Mais bon, c'est une course individuelle. Vous l'avez dit, Greg Mottram qui s'accroche. Ah, il a du mal maintenant. Ouais, le seul coureur blanc à avoir réalisé moins de 13 minutes cette saison. Il est Hicham bien. Est bien. Bah, bien sûr qu'il est. Hicham est très très bien, regardez. Ah, il est bien. Alors on va voir en combien va être couru ce quatrième kilomètre. Il faudrait qu'il soit assez rapide quand même. Les trois favoris aux trois premières places. Kenenisa, champion olympique du 10 000 pour l'Ethiopie. En deuxième position, Kipchoge, le Kenyan. C'est le champion du monde en titre du 5000. Et en troisième position, bien sûr, inutile de vous présenter le prince Hicham El-Guerrouj pour le Maroc. En quatrième position, le deuxième Éthiopien Gebremariam. Et en cinquième position, le troisième Éthiopien Berhanou. Voilà les choses qui se précisent, Bernard. Avec, comme il y a un ralentissement, eh bien Greg Mottram a pu recoller. Et oui, ce qui est étonnant surtout, c'est que Kipchoge ne prend aucun relais. Il vient à côté, mais à aucun moment il ne prend une impulse, une accélération. Il sait qu'il finit vite lui aussi. Et Bekele, il ne va pas franchement non plus. Hein, donc il est relâché à son allure. Je pense que lui, Bekele, devra peut-être partir de loin. C'est lui qui va peut-être courir à la El-Guerrouj. Et puis Hicham qui va peut-être profiter de ce lièvre-là, on verra. Oh, on se régale à l'avance du sprint qui va opposer Kenenisa à Hicham, avec Eliud Kipchoge, bien sûr, comme arbitre. Vous savez, Bernard, vous avez raison d'insister sur l'importance du quatrième kilomètre. Hicham El-Guerrouj a déclaré à son manager Laurent Bocquier, si Kenenisa veut m'avoir, il faudra qu'il passe en 7.35 au 3000, on n'y est pas du tout. Non, et surtout qu'il fasse un 1000 derrière en 2.30. Il a dit là peut-être que je baisserai les armes, mais pas autrement. Voilà, il me fait mentir maintenant, Kipchoge, il me fait mentir. Regardez Stéphane, 3 tours, hein. 63.25, dernier tour. Non, c'est l'allure d'un 10 000 mètres. Hein. Ouais, tout à l'heure, ils étaient passés en 60, là, ils ont nettement levé le pied. Bon, ils sont passés de l'allure du marathon au premier kilomètre à l'allure du 10 000 mètres ensuite. Et maintenant, il reste 1200 mètres, donc 1200 mètres. Et bien sûr, Hicham El-Guerrouj est toujours là, et c'est Kipchoge qui mène. Ouais, Kipchoge devant Kenenisa, Gebremariam, droit comme un i. Et puis Hicham El-Guerrouj en quatrième position. Qui va maintenant prendre l'initiative
dans le dernier kilomètre. Nous y sommes maintenant dans le dernier kilomètre de cette course d'anthologie, donc la finale du 5000 mètres des Jeux Olympiques, où tout reste très très ouvert entre Kenenisa Bekele, le champion olympique du 10 000, Hicham Elguerouj, le champion olympique du 1500 mètres, et Eliud Kipchoge, le Kenyan, champion du monde à Paris l'année dernière. Oui, le dernier, l'avant-dernier kilomètre, le quatrième a été fait en 2:38, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas existé pour user Hicham Elguerouj. Il reste deux tours. Et bien écoutez, ça va être, on va vraiment découvrir aujourd'hui, Stéphane Patrick, ça va être fabuleux, la confrontation. Quel est le finish de Bekele par rapport à celui d'Hicham Elguerouj là maintenant? Oui, Bernard, vous parliez d'une allure de marathon au départ de 10 000, mais ça va finir sur une allure de deuxième tour de 800 mètres. Hein. De bon deuxième tour de 800 mètres. Ouais, c'est ça, regardez déjà là, ça commence à accélérer. Greg Bottram est en train de dire au revoir à la course, de même que le petit Érythréen Tadesse qui a du mal maintenant. John Kibowen, pour l'instant, le Kenyan, est en sixième position. Kipchoge toujours en tête. Kennedy Sabekele en deuxième position. Hicham Elguerouj n'a toujours pas fait l'effort. Oui, en parlant de finish, il y a deux manières de finir. Il y a deux fondamentaux en fond et demi-fond. Un, l'accélération violente que vous pouvez mettre et que, quel que soit le finish des autres, ils ne pourront pas combler. À ce moment-là, vous mettez le maximum de distance entre vous et les autres. Et c'est peut-être ce que va faire l'un d'entre eux. Et ensuite, celle à finir, ensuite en accélération progressive avec un dernier 100 mètres très vite. Qui va partir violemment? La réponse, c'est maintenant pratiquement, alors qu'il va rester 400 mètres et qu'Eliud Kipchoge va passer en tête à la cloche devant Kenenisa en troisième position pour l'instant. C'est Gebre Mariam. Hicham Elguerouj toujours pour l'instant tapis à la corde. Hicham qui n'a toujours pas déclenché l'attaque. Et c'est Kipchoge qui essaye maintenant de partir un peu vite, mais Kenenisa s'est retourné pour voir où était Hicham. Les deux hommes se surveillent, qui jouent au chat la souris tous les deux là. Oui. Hicham est juste derrière Bekele. Bekele qui commence maintenant à lancer son sprint. Hicham Elguerouj va essayer tout de suite de répondre. Kipchoge refuse de se laisser passer. Ça y est, il est dépassé. Kenenisa pour l'instant est lancé comme une fusée. Hicham Elguerouj va prendre la suite. Le combat va avoir lieu, le duel va avoir lieu entre Kenenisa qui est maintenant à pleine vitesse. Hicham Elguerouj à l'entrée du virage. Attention à Kipchoge à la corde. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Kenenisa résiste. Hicham est gros. Hicham est très gros. Vous savez, c'est logique. Hein. À vue de la course, il n'y a rien à dire. Oh, je crois qu'il y a une grosse erreur de la part de Bekele. Et... il a lui offert. Hein. Ah, ils lui ont offert. Deux médailles d'or pour Hicham Elguerouj. Kenenisa Bekele, Stéphane, c'est un petit peu crispé à l'entrée de la dernière ligne droite. Il lui fallait un dernier 800, c'est pas possible, ils ne se sont pas entendus. Stéphane, vous connaissez un petit peu les chronos sur jusqu'aux 400 mètres, même par cœur. 38-57 le dernier 300. Ah, c'est vrai que c'est énorme, c'est un 300, ouais, non, c'est un 300 mené à l'allure de 400 pour des filles, c'est un bon 300 déjà pour... Donc c'est énorme, mais je pense qu'on retrouve la même chose que sur 800 mètres, une grosse erreur de la part de ceux qui devaient faire le